J'ai été élu maire pour la première fois en 2001. Et le monde a changé en 20 ans. Il faut donc se remettre en question. Il faut faire preuve de créativité. Et j'ose le terme, il faut se réinventer. Parlait-on en 2001 de la nécessité impérieuse de placer l'environnement au cœur des enjeux majeurs de l'avenir? Parlait-on du réchauffement climatique, d'une planète en danger que nous laisserions à nos enfants?
révolution du net, par exemple, et la fracture numérique n'en était qu'à ses premiers balbutiements. Aboutir des dossiers majeurs, stratégiques pour l'avenir, comme le lycée. C'est parce que Château Renard a grandi qu'il faut que nous soyons encore plus dans l'humain. Avec un centre-ville plus vivant, plus festif, plus animé, avec des commerces de proximité plus divers et plus prospères.
sur orbite le Grand Mine de Provence à Château-Renard. J'ai beaucoup écouté. J'ai rencontré de nombreuses personnes. Parce que si une vision stratégique est indispensable pour préparer l'avenir, elle n'est pas suffisante. Je suis allé chercher 2 millions d'euros du département pour finaliser le parking souterrain.
3,5 millions d'euros pour financer la réhabilitation de la piscine qui pourrait créer 1000 mètres carrés de salle de sport. Augmenter les impôts, comme j'ai toujours fait depuis 2001, quand j'ai été élu maire pour la première fois. C'est ensemble que nous devons écrire une nouvelle page pour l'avenir de notre commune, et faire prospérer cette qualité de vie à laquelle nous sommes tous très attachés. C'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'envie et avec la résolution que vous connaissez que je vous annonce que je suis candidat aux élections municipales de mars 2020. Merci à vous tous et vive Château-Renard.